Oui. Permettez-moi, avant de passer à la fin de notre prestation, de vous présenter nos musiciens. Donc à la flûte, nous avons Julie et Juliette. Aux clarinettes. Alors là, juste les clarinettes, je suis un peu déçu parce que d'habitude, dans le Madison, vous nous faites une petite chorégraphie. On n'a pas eu le droit de ça aujourd'hui. Je suis désolé, mais enfin voilà. Donc aux clarinettes, aujourd'hui, nous avons Sophie et Lucie. Au saxo, nous avons Alison, Christine et Karine. Et je suis en train de penser que... Juste des applaudissements tout particuliers pour Alison, puisque c'est sa première sortie avec nous. Au saxo ténor, nous avons Fabienne, que vous connaissez, et Sylvain, notre plus ancien musicien, et qui est toujours très jeune. Aux trompettes, nous avons Arnaud, donc, qui est en renfort, mais qui vient quand même de temps en temps avec nous. Viviane et puis notre président. Alors je ne sais pas où vous présentez, président, vous allez revenir ici après pour être présenté une deuxième fois. Vous êtes un malin. Donc Viviane, Benoît, notre président, et Arnaud. Merci beaucoup. Au trombone, nous avons Étienne et votre serviteur. Philippe, oui, merci. À la percussion, nous avons Stéphane, Jean-Marie, Thibault, Héloïse. Héloïse, pour qui c'est également une première. Et Thibaut, c'est pas une première à la percussion, mais c'était une première aujourd'hui au trombone. Il apprend le trombone et il a joué tout à l'heure un petit morceau. J'ai oublié le souvenir. À la basse, nous avons Camille. Et enfin, au bariton, Nicolas et Nicolas, ou Nicolas et Nicolas, comme vous voulez. Voilà. De son vrai nom, elle, Edith Giovanna Gassion, Edith Piaf est encore considérée comme la référence des chanteuses françaises près de 50 ans après sa mort. Surnommée à ses débuts la Môme Piaf, elle est à l'origine de nombreux succès devenus des classiques du répertoire. C'est à travers un pot-pourri de ses plus grands succès que je vous invite à poursuivre notre après-midi musical. Voici donc la Môme Piaf, arrangé par Elfège Proisy.
Thank you.